Je peux mettre mon nez de clown? Oui. Ah oui, bon, je vais me tourner pour mettre mon nez de clown, hein. Attention. Comment je t'appelle? Carla. Ouais. Ton âge? 12 ans. 12 ans? T'es vieille déjà, hein? Melinda, j'ai 6 ans et demi. Je m'appelle Sylva Linda, j'ai 11 ans. Comment était l'année pour toi? C'était... bien. L'année 2015, ça va. Ça se passait très bien. Ça se passait très bien. Elle était... ça va bien et mauvais en même temps. Ça pouvait aller. Ça pouvait aller? Pourquoi ça pouvait aller? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas bien. C'est vrai qu'Angelo, des fois, il est mort. Ah! Angelo, t'es mort. C'est qui, Angelo? Mon petit frère. Parce que je me suis bien amusée et tout, même s'il y avait des trucs qui étaient chiants, mais... Qu'est-ce qui était chiant? Si, plein de choses, mais voilà, quoi, les devoirs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aimé le plus, 2015, que tu dis, waouh, ça, j'ai bien aimé, ça, c'était... Mon anniversaire. Ton anniversaire. Il y avait toute ma famille avec moi. Et pourquoi elle est celle de mort? Je sais pas. D'accord. Comment sera 2016? Attends. Ouais, ça va aller mieux. Tu penses que ça sera mieux? Pourquoi tu penses que ça sera mieux? Bien aussi. Bien aussi. Plus les années passent, plus c'est bien. Je sais pas. Tu sais pas. Parce que je vois que ça va mieux comprendre. Qui va mieux comprendre? Angelo. Ah, Angelo. Elle va être bien et mauvaise. Bien et mauvaise, comme cette année. Voilà. Est-ce que tu aimes l'école? Non. Pas trop? Pourquoi tu n'aimes pas trop à l'école? Parce qu'il y a beaucoup de travail. Oui, bien. C'est trop bien. C'est trop bien? Pourquoi tu aimes aller au collège? Parce que c'est grand là-bas. C'est grand? Je me sens plus grande. S'il n'y aurait pas de devoirs et pas de profs, ça serait parfaite l'école. Ouais, parfait, trop bien. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est Noël? Est-ce que c'est Noël? Noël, ouais. Oui. Ben oui. C'est magique. C'est magique. La famille, les cadeaux, les fêtes, la bouffe. On a des cadeaux. On a des cadeaux. Le repas, il est bien. On a toute la famille aussi. Le repas, il est bien. En fait, c'est que Noël. Ouais. C'est pas comme les autres. C'est. Par exemple, on a beaucoup de cadeaux dans l'année. Ah, d'accord. Attends, Noël, il y a beaucoup de cadeaux dans l'année. Beaucoup de cadeaux. D'accord, ok. Dans l'année, le repas n'est pas bien? Si. Qu'est-ce qui change donc? Je sais pas comment expliquer. Tu sais pas comment expliquer, mais c'est pas grave. C'est quand tu te retrouves en famille avec tes cousins, tes cousines, la grand-mère, tout le monde. Et après, tu manges bien, tu rigoles bien et tout, tu prends 40 kilos et voilà. Et pourquoi on gagne des cadeaux Noël? C'est pas grave parce que Noël, c'est ça, il faut bien manger pour régime, c'est après. Ouais. D'accord, ok. Noël, on se fait plaisir quoi. Si on se fait plaisir à Noël. Des cadeaux et tout. Mais on peut pas se faire plaisir dans l'année? Si, mais voilà, Noël, tu manges tout ce que tu veux, tu as les cadeaux, tu as la famille, voilà. Il y a le cadeau, cadeau est très bien. Oui. Parce que. C'est Noël et le Père Noël, il offre des cadeaux. D'accord, ok. Mais tu sais pourquoi il nous donne des cadeaux, le Père Noël? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Ah, parce que c'est Noël, c'est bien. Question difficile. Difficile. Est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose dans le monde en ce moment? Ouais. Qu'est-ce qui manque? Oula, c'est... C'est dur ça, hein? Non. Tout va bien? Oui. Ah ben c'est bien ça! C'est bien! La rigolade. La rigolade? Ouais, tout le monde est sérieux et tout là. Tout le monde est sérieux? Mais regarde, non, mais il y a plein de... Non mais... Pense... Il y a trop de gens qui rigolent pas quoi. D'accord. Qui rigolent pas assez et tout. C'est très bien.
Et qu'est-ce qui manque, c'est que il faudrait que l'échelle soit beaucoup moins chère comme ça. Comment j'ai pas besoin de faire comme ça. Mais ça va bien. Ça va tout bien, ça va bien, ok. Soit moins cher quoi, comme ça tu peux t'acheter plus de trucs et tout. D'accord. Toi, tu t'es bien porté cette année? Tu étais gentil, tu étais sage? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah, je te crois pas trop là. Oui. Oui, tu étais sage. Oui. Très sage. Bah pas très. Mais parce que je sais que je suis chiante. Tu es chiante? Oui. Pas comme tous les... Bah je vais pas être un enfant. Un ange, mais j'étais sage. Ah, tu peux pas gagner ça donc. Oui, t'es pas un ange. Non. Ah, bon on va le mettre quand même. Comme ça on va faire semblant que tu es un petit ange. J'étais chiante parce que... Genre quand ma mère elle va me demander de ranger ma chambre ou quoi, mais ça me gave, j'aime pas. Donc je réponds et tout. C'est horrible la vie, hein. Ouais, non, pas, mais... Et après, j'étais pas... Après, je suis beaucoup chiante, je sais, mais après, voilà, quoi. Je suis gentille aussi. Enfin, je rigole presque tout le temps, sauf que si pour tu m'énerves... Pour ta sincérité, tu mérites ça. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour être mieux l'année prochaine? Ben, écouter ma mère, faire ce qu'elle me dit... Je fais tout. Tu fais tout, mais c'est bien. J'aide mes parents. Pourquoi tu fais pas ça déjà donc? Ou tu fais mais tu fais pas assez? Je fais pas assez. Tu fais pas assez, hein? Je fais pas assez. Tu fais pas assez. Mais tu vas faire plus l'année prochaine. Ouais, ok, d'accord. J'ai des choses que je suis chiante par exemple, mais ça je peux pas changer, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai mon caractère et puis voilà. D'accord. Donc il y a des choses qui changeront jamais. Non. Moi j'ai le numéro du Père Noël. Je vais l'appeler. Je sais ce que c'est. Ouais, oui. C'est 3630. 3630. Tu sais que le Père Noël, il visite les enfants. Oui. Tu crois encore au Père Noël? Non. Tu crois plus au Père Noël? Pourquoi tu crois pas? Est-ce que tu crois encore au Père Noël? Non. Non, pourquoi? Ben parce que déjà quand... Ben parce que c'est les parents cachettes. Et au bout d'un moment, tu le vois bien que c'est pas vrai, puisque quand tu demandes un truc aux parents qui coûte, par exemple, comme l'iPhone à 800 euros, ils te disent oui, bien sûr, tu crois que le Père Noël va t'acheter un truc à 800 euros. Ben oui, c'était le Père Noël, il le fabrique, ton machin. Le Père Noël, avant que tu rentres ici, il m'a appelé. Ok. Il m'a dit, en fait, que il va venir te voir cette année. Il va venir te donner tes cadeaux. Ok. Par contre, il a dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail cette année. Oulala. Il y a certains enfants dans le monde qu'il ne pourra pas le visiter, rendre visite. Donc, il voulait savoir si toi, Mélinda, tu as quelque chose dans ta chambre que tu pourrais donner à un de ces enfants qui ne pourront pas, malheureusement, voir le Père Noël cette année. Dès que j'étais petite... Dès que j'ai su qu'il n'existait pas, ben je me suis dit, ben peut-être qu'il a existé un moment. Avant que je naisse, avant que tout le monde naisse. Avant, ben je pourrais dire, je sais pas moi. Mais je sais qu'il était vivant. Parce que pourquoi on aurait dit qu'il n'était pas vivant? Tout à fait. Le Père Noël. Pourquoi on aurait inventé le Père Noël? S'il vivait, ben oui, il existait. Juste une chose que tu peux donner à un enfant qui aura besoin. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore. Bah oui. Ouais. Mais tant mieux. Mais tant mieux. C'est mieux. C'est mieux. Je préférerais encore croire au Père Noël. On peut croire. On peut croire ce qu'on veut. Bah oui, mais moi je n'y crois plus. Admettons qu'il existait, et voilà, ça continue l'histoire, mais qu'il ne pourra pas visiter certains enfants dans certains endroits. Parce que tu sais qu'il y a certains endroits qui sont très pauvres, ils ne peuvent pas l'avoir. Est-ce que tu serais prête à prendre un cadeau, à prendre un jouet que tu n'utilises plus, y donner à un de ses enfants? Oui. Tu serais prête à faire ça? Bon, le Père Noël, quand même, tu penses qu'il viendra chez toi cette année? Ah, ben oui. Te donner un cadeau? Oui. Ouais? Ouais. Donc finalement, peut-être qu'il existe quand même? Non. Non, ok. Non, il n'existe pas. Non, mais je préférerais y croire. Ok. Parce que c'est plus beau. Tu vas me donner et moi je vais le ramener, d'accord? Ok. Ok, qu'est-ce qui c'est? Tu peux me donner? Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Un livre. Ben, c'est génial. Non, c'est pourri. Pourquoi c'est pourri? Parce que c'est nul un livre. Pourquoi c'est nul un livre? Ben, je sais pas. Moi, si moi je gagnais un livre, je serais hyper content. Un déguisement. Un déguisement? Waouh!
C'est mis à l'envers. Ah, j'ai mis à l'envers, j'en sais rien. Attends. C'est pas combien. Le prix, c'est pas important. Ce que c'est le plus important, c'est ce que c'est ton intention, ce que tu donnes avec. Peut-être que pour un enfant qui n'a jamais eu un livre, ça sera le plus beau cadeau de la face de la terre. Tu imagines un petit enfant en Afrique qui a rien à manger, qui a rien du tout, il gagne un livre. Tu imagines comment il serait content. Ah, waouh, Melinda! Mais je pense qu'ils vont, ils seront contents, hein? Que j'aime pas avoir des enfants en train de... Mais ils sont pauvres et ils n'ont pas quelque chose à manger. Ouais. Ils n'ont rien à boire. Je serais prête de donner même ma maison à dormir chez, chez moi. Waouh! Applaudissements! Applaudissements! Ça, on va donner pour une petite fille. Donc, est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu lui dirais? J'espère que tu seras contente. Oh, c'est bien ça! Oh, c'est trop bien, c'est trop gentil. Moi, je pense qu'elle sera contente. Hein? Comme je dis que c'est l'intention qui compte, moi, j'ai ça, c'est donné. Merci. Tu me donnes vraiment? Ouais. Ah, oh, merci, j'en voulais trouver en plus. Tu peux montrer qu'est-ce que c'est. C'est pour toi. Ah, oh, ben merci. Et il t'a envoyé. Et tu l'aimes? Oui. Ouais? Oui, moyen, beaucoup, pas beaucoup. Beaucoup. Beaucoup? Pourquoi tu l'aimes? Parce que le clown est très joli. Ah, c'est bien. Bien. Tu aimes ces cadeaux? Oui, j'aime bien, c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. Bon, c'est pas un iPhone. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je te remercie infiniment. On fait le check. Tu me fais un bisou? Mouah. Merci beaucoup, Amélinda. Tu étais géniale. On fait le check. On fait le check. Au check.